Bonjour, Gabrielle au micro. Le précédent épisode de l'histoire de notre expatriation se terminait par « Nous sommes pauvres et seuls. Jamais des amis ne débarquent maintenant. » Vous avez réagi sans indulgence excessive. Dans l'ensemble, vous jugez que c'était de faux amis et qu'ils doivent être oubliés. Étant donné vos réactions, je conclus que la plupart d'entre vous ne sait pas ce que c'est qu'être pauvre. I ended the previous episode of the story of our expatriation with We are poor and alone. Friends never pop in now. You have reacted without excessive leniency. On the whole, you judge that they were false friends and must be forgotten. Given your reactions, I conclude that most of you don't know what it is to be poor. Peut-être que vous savez ce que c'est qu'être fauché, devoir choisir entre deux choses parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les deux, d'annuler vos vacances ou de ne manger que des pâtes. Je suis heureuse que vous ne connaissiez rien de pire. Nous étions pauvres au point de ne pas pouvoir offrir autre chose qu'un verre d'eau du robinet quand un ami venait nous rendre visite. Nous expliquions combien nous étions pauvres. Mais c'était incroyable. Les gens pensaient que nous étions devenus avares, parce que la vraie pauvreté est inconcevable tant que vous ne l'avez pas expérimentée. Ou vous êtes sans domicile, ou vous pouvez recevoir vos amis et votre famille décemment. La plupart des gens sont tout bonnement incapables d'imaginer les étapes qu'il y a pour aller de fauché à indigent. You may know what it is to be broke, to have to choose between two things because you cannot afford to buy both, to cancel your vacations or to eat nothing but pasta. I'm glad you don't know anything worse. We were poor at the point that we cannot offer anything else than a glass of tap water when a friend came to visit us. We explained how poor we were, but it was unbelievable. People thought we had become mean, because true poverty is inconceivable as long as you have not experienced it. Either you are homeless, or you can receive your friends and family decently. Most people are just unable to imagine the steps it takes to go from broke to indigent. Nos amis ne connaissaient rien de pire qu'avoir dépensé tout leur salaire trop rapidement et devoir attendre la prochaine paye. Ils déduisaient de la façon dont nous les recevions que nous ne souhaitions pas les recevoir, ce qui était vrai en un sens, et cessèrent de venir. Our friends didn't know worse than having spent their salary too quickly and waiting for the next payday. They deduced from the way we received them that we did not wish to, which was true from a certain point of view, and stopped coming. Certaines choses se sont révélées être des avantages. Par exemple, nous avons cessé de repasser nos vêtements, car toute l'électricité que nous pouvions payer allait aux ordinateurs. Croyez-moi, vous pouvez vous épargner cette corvée. Le repassage n'est absolument pas nécessaire. Ce que les autres pensent? Qui s'en soucie? Some things proved to be advantageous. For example, we stopped ironing our clothes since all the electricity we could pay went to the computers. Believe me, you can escape this task. There is absolutely no need to iron. What other people think? Who cares? Rideau!